Le roi va passer tout à l'heure. Et s'il vous demande à qui appartient ce champ, vous lui direz qu'il est à monsieur le marquis de Carabas. Ce champ-là, monsieur le chat, appartient à notre terrible seigneur, comme toutes les terres d'alentour et le grand château gris que vous apercevez là-bas. Ah, et qui est donc ton terrible maître? Ah, monsieur le chat, vous y frottez pas. Il est fort comme six lions et plus cruel qu'une horde de loups. C'est dis-le, toi. C'est l'ogre. C'est l'ogre. Et quoi? Qu'a-t-il donc de si terrible, votre ogre, que vous blanchissiez comme des navets en prononçant son nom? Si nous lui désobéissons, il a juré de nous... Assez menu. Ouais, comme chair à pâté. Oh, c'est pas tout. Il possède le pouvoir magique de se changer en n'importe quel animal de son choix en un instant. Si bien qu'on ne sait jamais s'il est ici, broutant parmi nos brebis, ou là, au milieu de nos vaches, ou s'il n'est pas la grosse mouche qui bourdonne autour de nous quand nous travaillons. Mes amis, répondez au roi ce que je vous ai dit, et vous serez débarrassés de ce vilain ogre à tout jamais. Je vous le promets.